Jeanne. Jeanne. Oh non, ça recommence. Jeanne. Non mais qu'est-ce que vous voulez encore? Dépêche-toi, j'ai un boulet dans le canon là. Ah, pardon. Je t'ai fait une proposition. Je t'aide à choper Jeanne d'Arc et tu me pistonnes auprès de ton père pour le job de directeur. Hein? Ok, deal. Bon, vous feriez quoi à ma place? Bah déjà, je commencerai par en choisir une autre, mais bon, c'est pas le propos. Non, écoute-moi. Si tu veux choper Jeanne d'Arc, t'as qu'un objectif. Faut la faire vibrer, la gamine. Parce qu'au fond, Jeanne d'Arc, c'est une petite pouilleuse qui rêve de gloire et de paillettes, alors qu'elle a les arpions bien plantés dans la merde de mouton, tu comprends ça? Ah ouais, carrément. Ouais. Dans la merde de mouton. arrête. Bon, je fais quoi, moi, pour la faire vibrer? Eh ben moi, tu vois, quand je voulais allonger une volaille, je me présentais direct comme le roi de France. Tu vois, j'imposais. Je donnais envie. Il faut du prestige. Mais moi, je suis le roi des Juifs, ça marche. Mais non, ça marche pas. Pourquoi? À cause du château, t'en as pas. Du coup, ça fait pas roi, ça fait peine cul. Non, mais sinon, bon, tu l'as connue comment, Jeanne d'Arc? Bah, on s'est parlé 2-3 fois. C'est bien, Jésus. Tu as fait le plus dur. Tu as établi le contact. Ouais, mais enfin, il y a surtout moi qui parlais, et de loin. Enfin, on va dire qu'elle m'entendait, enfin... C'est compliqué, parce que... Attends, mais comment ça, c'est compliqué? Elle entendait quoi? C'est pas vrai. Les voix, c'est toi? Ah ouais, alors là, c'est sûr que ça change tout, là. Là, t'es vraiment le roi, là. Des Juifs? Non, des cons. Hein? Quoi? Vous m'avez parlé? Ah non, pas du tout, non. Enfin, pas là. Avant, oui, mais... Rien de ces mondes au cabinet, vous voudriez voir ça. Ah oui, au cabinet? Non, j'ai pas envie, moi j'irai tout à l'heure. Ça vous fait vibrer, vous, les cabinets? C'est marrant, ça. Votre voix, ça me dit quelque chose. Vous êtes pas de Don Rémy, Don Rémy Sud? Sud, sud alors. Vous voulez du champagne? C'est du très bon, hein. 8000 la bouteille, j'en ai autant que je veux. Chartres, la cathédrale. Vous chantiez dans la chorale. Pas du tout, non. Champagne? Allez-y, chantez pour voir. Allez. Bon, vite fait alors. J'ai descendu d'un bon matin, j'ai descendu d'un bon matin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, messieurs, gentil coquelicot. Non, mais c'était pas vous en fait. Mais j'ai pas terminé là. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. On a du raisin qui est très bon. Loudun? Non. Poitiers? Non, non. Rouen? Non. Chinon? Non plus. Permont? Face la chapelle? Vous aviez un pied beau et les gosses vous appelaient Languille parce que vous vendiez des galettes aux poissons. Mais non, mais puisque je vous dis, on se connaît pas. Ah si, 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 si. Mais vous seriez pas un proche de Jean de Luxembourg, vous, des fois? Qui ça? L'autre balance de Bourguignon qui m'a bradé aux Anglais. Je vous signale, moi, qu'à cause de lui, j'ai fini au rôtissoir comme un cochon de lait. Hein. À cause de lui, l'autre maniaque, là, qui me parlait en douce à l'oreille pendant la nuit sans lune. Ah bon? Et vous savez qui c'est? Pas encore. Mais si je le coince, je le cible la tête au cul, je le vide comme une truite, et avec sa peau, je me fais un tambour. Vous savez, j'ai sûrement vendu un petit peu de galette, moi, du côté de Bermond pendant un temps. Quelle époque? Il neigeait fin septembre. Hein. Les neiges de Bermond. Il y a une chanson qui avait été faite dessus. 1, 2, 3, 4. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Voilà. Tu as chanté ça? Ouais. C'est horrible. T'es lamentable. Non mais ça, c'est la bonne partie de l'histoire, hein. Baisse les yeux.